Où elle est vilaine. Et un énorme merci tout particulier à tous les membres de la Super Max Family. Merci beaucoup, cœur sur vous. Comment allez-vous les amis? Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Moi c'est Max et bienvenue dans mes délires. Et quel bonheur de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et un jeu que vous avez été très nombreux à me demander ces derniers temps. Ça s'appelle Slendrina. Oui, c'est un jeu qui fait vraiment très peur. L'ambiance est très creepy. On est dans une espèce de cave et on doit trouver des livres. Mais il y a Slendrina qui est là en forme d'araignée, en forme de fantôme, avec voilà des monstres partout, des bruits chelous. C'est vraiment très creepy. J'ai vraiment eu peur. J'ai sursauté plein de fois. J'ai hurlé beaucoup. Vous allez beaucoup rigoler. Mais avant de commencer à jouer, vous le savez, j'ai quelque chose à vous montrer. J'ai quelque chose à vous montrer. Yeah. Aujourd'hui j'aimerais vous présenter une autre paire d'Ultra Boost que j'ai acheté en solde, hein. Vous avez adoré voir les forums Adidas M&M's qui sont vraiment très fun. Celle-ci je crois que je vous avais montré, sinon bah, c'est une paire James Bond, très jolie, avec le poulpe ici 007 Sissi, moi j'adore. Et ici c'est une paire encore très spéciale, vous allez voir, puisque c'est une paire qui rend hommage à Disney. Oui, regardez comme c'est mignon. Alors c'est Disney, une collaboration Disney-Adidas. Regardez, noir et blanche comme ceci. Alors on voit pas très bien dessus, mais c'est Dingo et Max, Dingo surtout. Et c'est brodé en fait, c'est pas imprimé dessus, c'est vraiment brodé. Donc c'est en relief, c'est avec du fil. Donc je trouve ça super cool, les détails. Sinon bah du reste elle est blanche. Il y a les petits bouts, vous voyez, des lacets qui sont rouges et bleus. Et également le ultra ici est en couleur un peu des Jeux Olympiques. Je sais pas pourquoi, mais c'est joli. C'est une collaboration avec Disney, donc je trouve ça super cool d'avoir une paire de chaussures Adidas Disney en plus des Ultra Boost, hein, vous savez, le confort. Normalement il y avait une boîte spéciale, mais comme c'est le dernier modèle sur le site d'Adidas qui était en solde et tout, je pense que c'était un retour ou je sais pas quoi. En tout cas c'est pas grave, la boîte c'est pas indispensable, l'important c'est la chaussure, elle est parfaite, elle est neuve et c'est une vraie, bien évidemment, hein, achetée sur le site d'Adidas. En plus si vous êtes étudiant, vous avez une promotion My Uni Days, hein, en plus des soldes, donc ça c'est cool. Et bah voilà, la semelle est noire, c'est vraiment noir et blanc, hein, le style. Pour Disney, c'est vrai que ça peut être un peu spécial parce qu'on pourrait s'attendre à plus de couleurs, mais ils voulaient vraiment faire quelque chose de, à mon avis, de sobre. Regardez, sur la semelle, on a Disney et la tête de Dingo, très mignon. Moi j'adore Dingo, je le trouve super cool, attachant, drôle, goofy en anglais. Et voilà, je voulais vous montrer cette paire là, puisqu'elle est, cool, elle est marrante. Et bah, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Back to the video. Et maintenant il est temps de lancer le générique. Merci pour tous vos commentaires, il est l'heure de lire 3 commentaires d'une vidéo précédente. Et les commentaires viennent de cette vidéo, c'était la vidéo Slenderman, Slender The Arrival, première partie. C'était vraiment très sympa et creepy. Le premier commentaire vient de Cirque Noah Anderson Capone qui me dit: salut Max, c'est toujours un plaisir de regarder des vidéos, je suis revenu en France, j'étais au Maroc. Waouh, super, c'est cool, moi j'ai jamais été, j'aimerais bien y aller un jour. Bah dites-moi d'ailleurs, ça me fait penser, dans les commentaires, si vous avez déjà l'idée où est-ce que vous allez aller en vacances cet été. Moi j'avoue j'ai peut-être pas d'idée, peut-être en Grèce, j'en sais rien, mais dites-moi si vous savez où est-ce que vous allez aller bah, cet été en vacances. Oui. Le deuxième commentaire vient de Doudi qui me dit: salut, je suis nouvelle et j'aime bien ton concept, je suis tombé sur la bonne chaîne, merci beaucoup, ça fait super plaisir, bienvenue à toi. Bah si tu n'es pas abonné, fais-le, comme ça tu rejoindras la Max Family. C'est vrai que j'ai un concept un peu à part puisque je présente toujours un objet avant, je réponds aux commentaires, je fais un jeu, je fais de l'humour, de la peur, voilà, j'espère que ça vous plaise. Je pense pas avoir vu ce concept un peu partout ailleurs, je pense que on est unique dans la Max Family. Ça me fait plaisir, et encore plus quand vous me dites que ça vous fait plaisir, merci. Et le troisième commentaire vient de Pénico Lise qui me dit: coucou, tu peux faire la partie 2 s'il te plaît, PS, je t'adore, t'es le boss. Oh merci beaucoup, à chaque fois qu'on me dit ça j'ai l'impression d'être le méchant à la fin d'un jeu vidéo, alors que pas du tout. Mais oui, la partie 2 de Slender The Arrival est d'ores et déjà tournée. En tout cas merci pour tous vos commentaires, n'hésitez pas à en laisser un dès maintenant ou à la fin de la vidéo pour être sélectionné pour une prochaine lecture de commentaires. Maintenant on va s'installer dans l'espace gaming pour retrouver Slendrina qui est la petite fille de Granny. Suivez-moi, let's go. Ouh, ça y est, je suis assez. Et l'ourson, il est là, il est de retour avec nous. Et j'ai bien besoin de lui pour affronter Slendrina, hein, voilà. Donc on y va, on va essayer de faire les 3 greniers. Ça se passe sur BlueStacks, bien sûr c'est dispo sur Android et iPhone. Mais sur iPhone il fallait jouer beaucoup pour débloquer tous les 3 niveaux. Donc j'ai trouvé une version qui avait des 3 niveaux débloqués. Comme ça on va pouvoir les faire. Alors c'est parti, toi tu laisses un max de likes, je compte sur vous et sur toi en particulier pour cliquer sur le pouce bleu. C'est parti, let's go. Ouh, c'est fait par Developer. Et nous voici
dans Slendrina, The Cellar. Alors, j'ai choisi The Cellar, c'est-à-dire le grenier, puisque quand j'étais sur l'App Store, j'ai tapé Slendrina, c'est le premier qui est sorti, donc je me dis c'est le premier, c'est peut-être pas le premier, vous allez me dire dans les commentaires, en tout cas, on va jouer à celui-là aujourd'hui, mais il y a trois niveaux, vous allez le voir, mais il y a surtout la tête de Slendrina au bout du couloir. Je comprends pourquoi vous vouliez que je rejoue à ce jeu, parce qu'il me fait très très peur, hein, voilà, j'ai très très peur. Donc, il y a trois greniers, enfin le Cellar 1, le Cellar 2 et le Cellar 3. Et bien écoutez, on va commencer par le Cellar 1 en mode facile, bien évidemment, hein, on va pas pousser Granny dans les orties. Donc c'est parti, on y va, on est là, et la sortie est ici. Sauf qu'on doit bien sûr trouver tous les livres pour sortir. Il y a 8 livres à trouver, et des clés également. Oh là là. Déjà l'ambiance. Vous entendez le son? Oh, les portes qui grincent, merci. Ah oui, alors ça... Ah! Eh oh! On commence pas comme ça, hein, Slendrinounette! Non, 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 non! On se calme. J'ai pris aucun livre, alors bon, on va pas... Hein? On s'énerve pas. Mollo, on redescend le ketchup. Bon. Ça va pas ou quoi? À peine j'arrive, à peine elle me saute dessus en mode coco. Non. Non. J'ai dit non. Alors. Les livres peuvent vraiment... Oh, regardez. Une clé. Pouf! J'ai une clé. J'ai une clé. Je suis content, hein. Ça veut dire qu'on va pouvoir ouvrir une porte qui a été verrouillée. Oui, entrez. Qui est-ce? Vous voulez rentrer? Qu'est-ce qui se passe? Ah, le jeu fait n'importe quoi, bien sûr. Évidemment. Alors, on va voir par là. C'est un peu un labyrinthe. Donc, comme tous les labyrinthes, si vous restez sur une paroi et que vous longez, normalement, vous arrivez à vous en sortir. Sauf que... Oui? Quelqu'un s'est cogné le petit doigt de pied sur un meuble? Ah, il s'est trouvé un livre! Ah! J'avais trouvé un livre. Et elle m'a surgi dessus. Quelqu'un s'est marché sur un Lego? Quelque chose? Qu'est-ce qui se passe? Allô? Bon, y'a personne. Y'a des petites poussières qui flottent. Qui flottent. Oui, bien sûr, qui flottent. Qui flottent dans le vent. En fait, je voulais dire flotte dans le vent et j'ai dit flotte. Comme ça, c'est un raccourci. Vous voyez? Alors. Hop! Qu'est-ce qu'on a ici? Rien du tout! Là! Oh! Écoutez, j'ai deux clés! Formidable! Comme ça, on pourra déverrouiller des portes verrouillées! Ah! Il y a du ketchup! Je crois que ici, on fabrique le ketchup! D'accord? Il y a des tomates! Ah! J'ai utilisé une clé. Est-ce que je vais récupérer un livre? Bah non, donc j'ai utilisé la clé pour rien. On est ravis! Bon. Pas de livre. Écoutez, c'est pour l'instant la chasse aux œufs la plus pourrie que je connaisse, puisque j'ai pas trouvé de livre, on est trouvé qu'un. Ah! C'était quoi ça? Dis donc, mamie, va falloir se calmer, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Ah bah, ok. Donc apparemment c'était normal. En plus, on peut pas fermer les portes. J'ai plus qu'une clé. J'ai pas de livre, c'est pas possible. Où sont les livres? Avec leurs pages, leurs couvertures? Ah bah non, mais je viens de là. Bon, je me suis trompé de sens. Ce n'est pas grave, on va avancer quand même. Donc là, c'est la vitesse maximale à laquelle je peux avancer. Hein, voilà. Très rassurant. Là, oh! Super! Deuxième livre. On va aller voir par là. Ah, j'adore les petits tunnels. Sombre, avec une musique angoissante. On adore, on apprécie. Pourquoi vous voulez que je joue? Oh! Qu'est-ce que c'est? Il y a des étagères en bois. Des étagères en bois. C'est formidable. C'est une salle fermée. Là, il y a quoi? Wouh! Il y a eu un truc là. Il y a eu un jumpscare. Non, mais je ne vais... Oh, une clé. Mais aussi, je ne vais pas survivre à la fin de la vidéo, moi. Je crois que je vais craquer bien avant. Oh, un livre. Heureusement que j'ai fouillé partout. Bon, je pense que j'ai tout pris dans cette salle. Parce que bon... Oui? C'est pourquoi? C'est le seau qui est tombé? D'accord. Non, mais c'est pas grave. Vous avez le droit de tomber, les seaux. Tant que c'est que vous. Et ça veut quand même dire qu'il y a les fantômes. Mais bon, hein, on n'est pas à cela près. Hein. Slendrina, les monstres. Pourquoi pas les fantômes? Allons-y, joyeusement. Allez. Je crois qu'il faut aller à gauche maintenant. Parce que on vient de là où il y avait la... Ah bah oui, non. Je crois qu'on va pas aller à gauche. Bon, bah, faut revenir en arrière. Super. Bon, bah là, y a rien. Bah, je crois que j'ai vu toute cette partie-là. Donc, on va prendre une autre porte au niveau du début, là où il y avait la porte sortie définitive finale. Et on va aller à un autre endroit, puisque... ouais, je crois que j'ai tout vu par là. Zézuberant, parce que par là, c'est ferme. Ah non. Oh!
J'utilise une clé, et à mon avis, hop, voilà, là où il faut utiliser les clés, il faut prendre des livres, et tant d'où... Zen, on respire par le nez, on expire par les fesses, par la bouche. Bon, on avance. Qu'est-ce qu'il y a? Et à quoi? Oh, un placard. Oh, une clé. Et donc, c'est la vidéo de la clé, hein. J'ai trouvé 4 clés en tout. Ah ben, j'ai 4 livres. C'est super, c'est coordonné. On va aller au point de départ, hein. Non, toujours pas. Là, il y a quoi? Est-ce que j'ai été au bout de là? Je crois que oui, hein, c'est un cul-de-sac. J'y vais pour rien. Ah non, c'est pas... Ah bah non. Ah bah alors... Bah alors, vous voyez, hein, faut vraiment tout regarder, tout faire. Ou alors j'ai déjà été. Et c'est là le cul-de-sac. Oui, super, maintenant. Ouf, j'ai toujours peur de me retourner. Parce que vous savez, c'est quand on se retourne que Slendry Nounette, elle arrive. Et elle fait coucou. Hein, parce qu'elle flotte, elle vole. Donc on l'entend pas marcher. C'est ça qui est pas pratique avec elle, d'ailleurs. C'est que elle flotte. Elle flotte dans le vent. Sous le vent. Mais attendez, mais j'ai déjà été là, puisque c'est ouvert. Ah bah ça y est, je suis officiellement perdu. C'est génial, là j'avais besoin de ça, de me perdre dans ce niveau-là. Bon, là c'est ouvert. Là c'est ouvert. Qu'est-ce que je fais là? Ah voilà, c'est là où je voulais retourner. Zuber, ah bah écoutez, c'est pratique, donc on y va. Bim, bam, boum, et j'ouvre les portées. Ah, une clé à utiliser pour rien du tout, hein. Super, super. Ah oui! Allez, le 5-1, Zuber! Oh oh. Y'a rien. Bah, y'avait rien par là. Décidément, je crois que. Bon, alors, je mets tous mes espoirs là-dessus. Hein. Il faudrait qu'il y ait 3 livres par là. 3 livres par là, c'est possible. Tout à fait. On sait pas, hein, c'est aléatoire. Donc, voilà. Alors. Je vais aller là. Ah! Elle est là, à travers la porte! J'aime pas ça, va-t'en! Ok, merci. Ah, un livre. Allez hop, 6. Il en reste plus que 2. Ah, plus que 2 livres. On y va, on y va, on y va, on ne lâche rien. Bon, en même temps, je suis en mode facile, donc je peux faire le fanfaron, hein. Est-ce que c'est facile? Mais voilà, on essaiera peut-être dans un mode de... C'est une blague, j'ai fait le tour. Un mode de difficulté plus élevé, après, quand on aura réussi déjà une première fouée. Oh mais non! Oh mais non! Oh mais non, j'ai déjà été là! Oh mais non, faut faire le tour! Bon, je vais aller tout droit. Ouais, je crois bien... Bah non, mais j'ai déjà été par là. Alors, faut aller où? Attendez, attendez, là, je suis paumé. J'ai l'impression d'avoir été partout. Et en réalité, je n'ai pas été partout. Ah! Ah bah non, bah j'ai pas été partout, parce que hop! J'ai 2 clés en ma possession, donc j'ai encore 2 portes à déverrouiller, à mon avis. Les lits. Ah! J'étais en train de vous parler, j'avais pas vu. Hé! J'aime pas. Ah, bah voilà, regarde. Hop là! Une clé a été utilisée. Oui, oui, bah tu peux crier, moi j'ai pris tes livres. Alors je comprends pas l'histoire de ce jeu. Je sais pas pourquoi il faut prendre des livres pour sortir, mais bon, écoutez, c'est comme ça. C'est le créateur qui a inventé, on va pas se poser des questions supplémentaires. Ici. Mais elle est folle! Belle... Oh! Mais il va falloir se calmer, ma mère! Bon, j'ai plus de clés que de livres. À un moment donné, c'est problématique. Ah, y a rien par là. Bon, bon, bon. Bon, Doudou, on se calme! Merci. Merci de vous calmer pour le bien-être de mon petit cœur qui ne va pas sur... Bon, là, on a été, je crois... Oui, on a été un Zuber! Où est le dernier livre? Ah, c'est toujours le plus pénible à trouver. Ce qui est logique, puisque c'est le dernier. Bon. Je sais pas d'où je viens. Et je sais pas où je vais. Ah! Oh! On s'en va! Oh! Cours! Ah, mais je peux pas courir par là, c'est un cul-de-sac. Cours! En plus, le message dit cours, cours. Bah oui, mais je peux pas aller plus vite que ça. Il y a Slendry Nounette qui va m'attraper. Elle est où, la sortie? Je crois qu'elle est tout droit. Par là. Je crois bien qu'elle est par là. Dépêche-toi, mon petit gars. Allez. On va aller par là pour voir. Oh non. Oh non. Oh, je suis complètement perdu. I am lost. Pourquoi t'as pas fait une carte pendant que tu avançais? Hein, ça aurait été pratique. On peut pas avoir non plus un Google Maps, je sais pas.
tu vas là, tu prends pas ton téléphone. Enfin, je veux dire, t'es une fille, t'as pas de shampoing. Non mais allô, quoi. Non mais bon. Bon, il y a 8 livres sur 8. J'ai encore 2 clés. Bah du coup, les clés servent à rien. Hein. J'ai les clés en trop. J'ai les clés en trop, Sandrina. Tu les veux? Bah, va falloir venir les chercher. Non, en fait. Viens pas les chercher. Attendez, est-ce que ce serait pas par là? Mais, c'est pas possible, je vais pas trouver la sortie. Ah oui! On a réussi. Oh, elle est pas contente. Ouh, elle est vilaine. Au revoir. Au revoir, vilaine. Merci. On va passer au cellier numéro 2. Le cellier numéro 2, il se trouve toujours dans le menu, c'est celui-ci. Il a des pierres un petit peu plus grises et... Voilà, qu'est-ce qui se passe? Arrête. Voilà, il faisait n'importe quoi. Ah, la porte, elle est différente également. C'est une porte en métal, les briques sont en pierre grise. Et on a toujours 8 livres à trouver. Il y a également des clés-clés et non pas des clos-clos. L'ambiance est différente. Ce qui est logique, vu que c'est un... Pourquoi il y a des... Ah, on est à l'extérieur, peut-être. Enfin, je sais pas où on est. Mais, en tout cas, faut pas être claustrophobe, hein, puisque le plafond est bas. Il y a pas de fenêtre, il y a pas d'ouverture pour l'aération, il y a rien du tout. À part, bien sûr, des monstres, hein. Évidemment, les monstres sont parmi nous. Minou, minou! Oh, waouh! Il y a des barils de vin, mais c'est tout ce qu'il y a. Donc, on a une information indispensable. Ah! Stendrina, bois de l'alcool. Non, mais je voulais pas! Je crois qu'elle n'a pas aimé ma phrase. Je crois qu'elle n'a pas aimé cette affirmation. C'est pas grave, écoutez, on va recommencer. Ce qui devait arriver arriva, hein. Voilà, c'est l'art 2. En easy breezy! Et on refait, on refait. On refait et on est reparti. Alors ici vous avez vu il n'y a qu'une porte hein. Donc il n'y a qu'une seule voie qui nous permet d'avancer. Et un petit escalier. C'est super. Bonjour, bonjour. Cette fois-ci je vais aller à gauche. Voir ce qu'on a de joli par là. Alors bah rien hein. Des murs et des couloirs. La porte s'ouvre. Décidément. Il y a beaucoup de couloirs. Mais pas beaucoup de livres. Ah par là peut-être. Et... Oh! Allez! Pim! On a une clé! On a une clé, Nounette! On n'a pas de livre dans cette salle, c'est quand même... Oh non mais je te vois! Tu t'en vas! Oh la vilaine! Oh! On va se calmer, hein! Non mais oh! Vilaine! Bon. Allez, on avance. Je vais éviter trop de l'appeler par des noms qu'elle n'aime pas, parce que sinon elle va se fâcher. Bah par contre, faudra me donner des livres là à un moment donné parce que je fais plein de salles et c'est tout vide. Donc ça va être un peu problématique hein, si je trouve pas le livre. C'est si grand que ça. Enfin, je veux dire, j'ai déjà fait plein de pièces. Ah bah voilà. Suffit de demander. Oh. Ah. Non mais ça va se calmer les jumpscares, oui. Oh. Comment ils s'enchaînent là? Oh yo yo. Ceux qui connaissent, eh ben connaissent. Alors, bah pas de livre, hein, toujours pas. Une clé a été utilisée. Donc normalement, j'ai trouvé un livre ici. Ah bah voilà. Bien regarder même dans les recoins des pièces, c'est très important. Puisque les livres peuvent se cacher vraiment n'importe où dans la pièce. Surtout que Slendrina m'en a dit... Oh, il y a un deuxième. Il y a des étages. C'est une décoration d'Halloween, vous inquiétez pas. Tout va bien. Alors, clé ou pas clé? Livre! Mieux que ça! On adore, on apprécie, on approuve. Je vais... alors, avant d'aller dans ce tunnel, je vais ouvrir cette porte. Ah! C'est un autre tunnel. Super! J'ai troqué un tunnel pour un tunnel. On a brisé. Oui, c'est la vive la vie. Bon. Par là, il y a quoi? Rien. Ici. Une autre porte. Ok, une clé a été utilisée. Je n'ai plus de clé dans mon inventaire. Mais oh, il y a un livre ici. Mais qu'est-ce qu'il fait là, le livre? Rends-le-moi. Pouf. Voilà. On a la moitié des livres. C'est plutôt pas mal. Oh, une clé. Hop là. Allez, Zélardi. Ça se passe plutôt bien pour l'instant. J'ai 4 livres, j'ai des clés, je découvre des nouvelles zones. Et Stenrina me laisse un peu tranquille. Et ça, c'est cool. Hein, c'est... Ah! Vous n'avez pas entendu ça, c'est faux, c'était un effet spécial. Oh oui, un livre, arrête. Pourquoi je peux plus avancer? Ah d'accord, c'était le jeu qui était... Le jeu est tenté peut-être, hein, je ne sais pas.
En tout cas, Ah, il utilise une clé. Oh là 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 là. C'est bon, c'est bon. En fait, avec Sandrina... Oh, un livre. Eh bien, dis donc, je les enchaîne. Si, ça, il m'en reste plus que deux. Avec Sandrina, il suffit de détourner le regard pour qu'elle nous laisse tranquille. Enfin, je dis, il suffit de... Entendons-nous pendant que le loup n'y est pas. C'est pas si facile que ça, hein, mais bon. Aïe, 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 pas de choix. Alors, J'ai été par là, puisque cet escalier, je le connaissais pas, il me semble. Porte. Là, il y a des tonneaux. Et pourtant, j'ai déjà été là. Fichtre. Il me mène en bateau, ce jeu. Par là, qu'est-ce qu'on a? Oh, je t'ai pas vu, hein. Elle doit dégoûter parce qu'elle a été derrière moi. Oh non, j'ai pas de clé. Ah, je suis sûr qu'il y avait un livre ici. Donnez-moi une clé. Oh, waouh. J'ai dit une clé, pas Slendrina. Ça va pas ou quoi? Bon, attendez, donnez-moi une Slendrina. Ah, la sortie, c'est par là. Regardez, il y a... Ah bah non, mais je suis revenu au début. Oh. Je suis revenu au point de départ. Boui, boui. Oh non, il me manque de livres. De livres, 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 livres. Bon, on va trouver des clés, c'est pas possible autrement. Je vais aller par là, je sais que j'ai déjà été, mais... Il y avait un endroit, souvenez-vous, je vous ai dit, je vais plutôt aller par là, plutôt que d'aller dans le couloir. Et bien maintenant, j'ai envie d'aller dans le couloir. Bah oui, bah oui, bah oui, bah oui. Ah, toujours la déco d'Halloween. Ah, voici une clé qu'on apprécie. Je vais pouvoir ouvrir la porte qui était fermée, sauf que maintenant, je l'ai perdue. Voilà, voilà le fameux couloir où je n'ai pas été tout à l'heure, et avec une porte... qui n'a pas besoin de clé, et ça, c'est génial. Un autre couloir, je vais les faire tous dans l'ordre, pour être méthodique. C'est important d'avoir de la méthode. Hop. Ah, j'ai utilisé une clé. Tout ça pour rien. Oh. Ah, non, tout ça pour récupérer une clé. C'est pas mal, on va dire, hein. C'est inutile, mais c'est pas mal. Par là. Oh ouais. Allez. Plus qu'un livre, et on s'en va. Plus qu'un livre, et on s'en va. Par là. Rien. Là, je peux passer. Là, il n'y a rien. Allez, un tout petit livrounet et on s'en va les doigts dans le nez. A finger in the nose. Il est long, ce couloir, dis donc. J'ai jamais vu un couloir aussi long, à part celui qui est chez moi. Wow! Ah! J'ai déjà été, donc. Je suis sûr que je dois aller là où il y avait la porte fermée à un moment donné. Je crois que c'est bien par là. Bien que c'est par là. Oui, oui, souvenez-vous. On était monté comme ça. Et ensuite... C'était là. Yes! Allez, dis-moi qu'il y a le livre. Là-dedans, par exemple. Oh! Mais non! Mais pourquoi tu me fais ça? Tous les espoirs étaient là. Et moi, j'ai pas... Bon, bah c'est pas grave, hein. On va trouver. On va bien venir voir trouver le livre. Moi, je vous le dis. Allez, petit livre. Viens, fais pas ton vilain. Viens boire, Max. Eh ben écoutez, ça fait trois fois que je passe devant le panneau sortie. On apprécie. Allez, avance. Par ici. Est-ce que j'irai pas à droite? Allez, on va aller à droite pour... non, j'ai déjà été par là. J'ai rien du tout là. Non. Attendez, je vais aller à gauche plutôt. Wouh. Voilà. Super. J'ai hâte de voir ce que ça fait en mode difficile. Je vais tester en mode difficile quand on aura fini le cellier numéro 3. On va bien voir comment on va rigoler. À mon avis, je vais pas rigoler du tout, mais bon. Bon. J'ai cette chanson en tête. Bon, bref. Je sais pas pourquoi je vous raconte ça, parce que j'ai fait bon, parce que je trouve pas les livres. Il m'en reste un. Sandrina, s'il te plaît, je te donne l'autorisation de me faire peur une fois et tu me donnes le livre. D'accord? Allez, une petite peur contre un petit livre. Une toute petite peur contre un tout petit livre. Ça va aller? Non? Tu veux pas faire le marché avec moi? Méchante. Il est où ce livre? Il est où ce livre? Il est où ce livre? J'ai beau regarder partout, mais je ne trouve pas le livre. Je suis en plus paumé. Ah oui, là c'est là. Bon, écoutez, on va descendre, hein, tant pis. On va redescendre plutôt, enfin, ou plutôt redescendre, hein. Mais on va le trouver, je vous le dis, moi. On va faire toutes les pièces, hein, dans l'ordre. Comme ceci.
Ah ouais, mais toutes les pièces. Moi, à chaque fois, il y a des pièces qui m'emmènent loin. Comment vous voulez que je retrouve mon chemin après? Allez, ça fait le tour. Regardez, on a déjà ouvert ici. Eh oui, Stendrina, je te connais. J'ai déjà fait cette salle. Bon, où est-ce que j'ai pas regardé? Je sais pas. Si je savais, ça aurait été trop simple. Là, y a rien dans ce coin-là. Des fois, c'est dans le coin. Des fois, c'est dans les couloirs. C'est pas forcément dans les pièces. C'est peut-être parfois dans les couloirs. Et ça, c'est pas rigolo parce que les couloirs, il y en a tellement, ils se ressemblent tous. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de jumpscare. Stendrina, ça va? T'es malade? Youhou! Tout va bien pour toi, ma petite Stendrinounette? Fais un signe si tu vas bien. Hein? Elle a pas envie de faire un signe. Tu boudes? Ah! Oh! Oh! Allez hop, une clé, un livre et on... Oh, m'a fait peur ce tableau. Regardez. Wouh! Pourquoi je me suis approché de ce tableau maudit? Sortez! Sortez! Bon bah là, il faut retrouver le panneau. Allez, le petit panneau de la sortie. Non. Ah! Elle va pas m'avoir au dernier moment, celle-ci, moi je vous le dis. Allez, on remonte. Parce que de toute façon, faut remonter hein, pour aller à la sortie. Ça, c'est bien connu. Parce que la sortie, elle est au premier étage. Et là, on était au moins 3, moins 2. Enfin, bref, vous avez compris. J'avance. Allez, je veux voir le panneau. Allez, je veux voir le panneau sorti. Le petit panneau qu'on apprécie. Et je ne le vois pas. Et je désespoir. Ah, allez. Non, là, c'est une salle. Fufufu, là là. Il va falloir quand... J'aurais dû tourner à gauche à un moment donné. Allez, à gauche ou à droite? Bon, bah, je vais par là. Moi, j'essaye tout. Je sais pas, je suis à bout. À bout de nerfs. Je veux la sortie. Donnez-moi le panneau. Ah, il est là. Merci. Hop, on sort. Slendrina, je m'en vais. J'ai pris tous tes livres. Tu pourras plus lire le soir avant de t'endormir. Et... on a gagné. Oh, elle est triste. Elle n'est pas contente. Elle s'en va. Eh bien, comme ça, elle nous laisse tranquille. C'est parti, on passe au cellier numéro 3. Et le cellier numéro 3, il est là. Alors, il a l'air plus moderne. Un peu plus lumineux. On a l'impression que ça se passe dans une cuisine. Peut-être la cuisine d'un hôpital. Regardez, on est... Ouais, j'ai l'impression... Ouais. Oh, un livre! Oh, il y a un ordinateur! Oh, une trace de civilisation, j'apprécie. Sauf que pour attraper le livre, faut faire le tour. Oh! Mais il y a tellement de jumpscares dans cette vidéo! Hein, ce jeu-là, j'en peux plus! Il y a trop de jumpscares! Oh! Ah, c'est fermé. C'est ouvert. Bon, là, on est dans... Clairement, on est dans un... J'allais dire un hôpital, mais pourquoi il y a des portes comme ça dans l'hôpital? Où ça? Je sais pas. Donc je m'en vais. Voilà, c'est tout. Tu me laisses tranquille. Oh, mais dis donc, faut combien de clés dans ce niveau? Vous avez vu toutes les portes qui sont fermées? Ah bah, attendez. Ouah! Non mais, eh oh! Là, à un moment donné, je dis non. Allez, j'ai utilisé une clé. Mais arrête le jeu, il fait n'importe quoi. J'utilise une clé pour rien. Oh, mais non, oui, mais non. On va aller voir ici. Allez. À l'arrière, toujours regarder en arrière de soi. Mm-hmm. Les portes, elles grincent quand même. Oh, placard. Rien du tout. Dans le coin, rien. Dans le coin, rien. C'est dommage, on n'a rien. Ah, mais au moins, c'est ouvert. Oh, notre placard. Oui, mais bon, si vous faites des pièces où il y a... Ah, j'ai failli pas le voir, celui-là, dis donc. Allez, hop, deuxième livre, hein, Zébardien, on avance. Et là, pas de clé, rien du tout. Bon, bah, il faudra retrouver des clés et revenir ici, parce que j'ai des portes fermées, hein. Voilà, j'en ai une ou deux. Une, je sais plus. Ouh, ah, un placard. Ah, allez, bah, prends-le quand même. Allez, 3 livres sur 8, c'est plutôt pas mal. Moi, je dis, pour une première dans ce niveau, c'est plutôt pas mal. Bon, bah, du coup, on avance, hein. Voilà. Là, ça a déjà été ouvert. On va aller par là. On va... Ah, voilà. Voilà ce que je lui fais à la Stendrinounette. Je lui crie dessus. Comme ça, elle s'en va. Là, c'était l'accueil. Donc, on va aller en face. Il me semble qu'il y a une... Oh, un clic. Merci. Attendez, j'ai envie d'aller voir dans la pièce.
avec les portes bizarres dans un hôtel. Dans un hôtel. Oui, justement, on aurait dit une porte d'hôtel dans une chambre d'hôpital. Ça fait pas de sens. Donc, je vais aller voir ça. Ça se passait là-dedans. Et là. Je vais ouvrir ça, moi. Ouais! Y'a quoi? C'est un bureau. Je me méfie tout. Qu'est-ce que c'était? Elle me fait flipper, hein. C'est pas possible, ça. Oh, une clé. Ok, j'ai pris la clé. Le tableau n'a pas bougé. Super, l'horloge, tout va bien. J'ai une clé, je m'en vais. Fichtre, que cette salle était effrayante. On va ouvrir la porte qui est là, quand même. Parce qu'elle était fermée. Voilà, j'espère qu'il y a un livre, au moins. Ouais, bah non, j'ai dit un livre. Livre, Sten... Ah bah voilà, il y a un livre. Super, on a 5 livres. J'ai pas dit Slendrina. Est-ce que ça ressemble, même? Livre, Slendrina. Livre, Slendrina. Ça ressemble à rien. Il y a Dri, peut-être. Dri, I. Il y a le I. Oh, c'est les douches. Je suis sûr qu'il y a un livre dans les douches. Je sais que c'est pas du tout la place pour ranger un livre. Mais quelque chose me dit qu'elle en a... Ah bah non, bon, moi, il y a une clé. Hop, on n'a pas tout perdu en visitant les douches qui sentent mauvais. Voilà. C'est quoi, ça? Une douche? Je peux pas me doucher, là? Ça m'arrangerait? Non? Bah non. Bon, c'est pas grave. On se douchera une prochaine fois. Là, il n'y a rien. Rien. Bon, moi, j'ai récupéré une clé. Donc, il faut revenir au début, là. Attendez, il n'y a pas une porte là qui était fermée. Je vais aller voir. Vu que j'ai une clé. Ah mais non, mais là j'ai déjà été... J'ai déjà été dans ce bureau maudit. Bon, vous savez quoi, on va retourner au début. Je vais faire l'autre salle finalement. Mais non, c'est pas là le début. J'avançais en me disant... tu fais fausse route, hein, c'est pas par là, c'est par là. Il faut prendre le couloir un peu comme ça là. Couloir chelou. Et ensuite en face... On va pouvoir découvrir une nouvelle zone. Et je pense que les 3 livres restants sont dans cette nouvelle zone. On y va, on découvre la nouvelle zone. Il y a un placard déjà. Avec rien. Ah, un autre couloir comme ça. C'est plutôt bon signe, hein. Ça veut dire que peut-être il y a des livres. Ah. Ok, on commence par cette porte-là. Qui nous donne accès à plein d'autres portes. Et des bruits chelous. Là. Ok, toujours pas de clé utilisée, mais toujours pas d'objet. Très bien. C'est bien, c'est bien. Oui. Ah, il y a un livre là par terre. Allez, il nous reste plus que 2 livres. Ouais. 2 livres, et c'est la liberté. 2 livres. Oh, wow, wow, wow. Eh, livre et liberté, ça ressemble un peu. Et en même temps, quand on lit, on est libre. Oh, c'est beau ce que je dis. J'espère que vous lisez. C'est important de lire. Oh ouais, j'utilise une clé pour déverrouiller une salle vide. J'apprécie grandement le concept des salles vides. Je n'ai pas de livre ici et là. Ah bah rien. Bon, on a fait le tour de cette zone. Super, elle était très grande pour un seul livre, hein, j'avoue. Hein, c'est pas forcément génial, mais on a une porte tout de suite à gauche. Hop. Qui nous dévoile une autre zone avec des portes. Et une autre zone avec des salles vides. Voilà, faut toujours aller derrière les portes. On ne sait jamais. Mais vilaine, dis donc. Oh yo 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 yo. Oh yo 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 yo. Non, pas le refaire, mais aussi là. Ah, 7e livre. Là, il va falloir une clé, je parie. Voilà, merci, je n'ai pas de clé. On va essayer d'en trouver une par là. Allez, plus qu'un livre. Ah. Mais, wesh, tu vas te calmer, hein. Je vais te renvoyer chez ta mémé, tu vas voir. Ta mémé est en granit, d'ailleurs. Drôle de famille, tout ça. Drôle de famille. Et là, oh, super, la clé qui me manquait. Ah, la clé qui me manquait pour la porte ici. Qui cache le dernier livre, je parie. Allez. Ah, la déception est immense. Oh là là, la déception est au sommet de son art. Alors là, vraiment... Ah bah il est là. Merci. Voilà. Allez, on va à la sortie. Je sais où elle est. Elle est par là. Cours, Barnabé. Va à la sortie. On est sorti. Qu'est-ce qui se passe? Oh, oh. Enfin. Allez, à bientôt, mamie. Super. On a réussi les 3 celliers. Mais c'est pas fini. Puisque maintenant, on va essayer en mode... difficile, oui, parce que j'aime le challenge, j'aime la difficulté, j'aime la peur. Donc on va essayer le cellier 1 en difficile. Et là on va moins rigoler. Là je sens que ça va être une autre histoire.
on y va. Allez. Si j'y arrive, c'est vraiment la joie dans la fête, du bonheur, du soleil, du printemps. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bon, l'ambiance est la même, hein, c'est toujours aussi creepy. Pour l'instant, je vois pas la différence. La différence! Bon, ah, une clé, super. Merci. Merci. Allez, on avance. On va déverrouiller des portes, on va trouver des livres et on s'en fiche qu'on soit difficile. Quoi? On se calme, j'ai dit Mireille. Le tout, c'est de se dire qu'on est en facile. Hein. On se dit qu'on est en facile. Comme ça, on n'a pas la pression. Et voilà. On est en facile. On est en facile. On est en facile. Oh, oh. Un livre. Eh ben voilà. Voilà ce qu'on veut. C'est ça qui est bien. Allez, de toute façon, il suffit juste de détourner le regard quand elle arrive, la Slendrin Nounette. Hein. Ça, il n'y a pas de mystère. Hein? Hein? Ah oui, il faut faire ça. Ah, dites-moi que oui. On avance, je longe par là. Hop. Ah, j'ai utilisé une clé pour récupérer un livre. Ah, ah oui, elle était très près de moi là quand même, hein. Voilà, voilà. Aïe, aïe, aïe. On se calme. Bon. C'est moi qui crie et c'est moi qui dis qu'il faut se calmer. Bien. Alors, une clé. Hop. Ça, c'est bon. On retourne en arrière. Ouh, super. On a trouvé une clé. On a deux livres. Pour l'instant, ça se passe bien. Par là, peut-être. Je dis peut-être, mais j'en sais rien. Il y a un long couloir. Non, mais c'est très très long tout ça. Arrêtez. Des fois, le jeu fait n'importe quoi. Le joystick, il va dans tous les sens. Et moi, je contrôle plus le personnage. Et puis voilà. Et après, je boude. Non, je boude pas. Oh non, tout ça pour ça. Oh, vous savez quoi? Je vais aller à droite, parce que j'ai l'impression que j'étais dans le sens inverse tout à l'heure, quand je suis sorti de là, là. Attendez, parce que j'avais vu un truc à gauche, mais je vais aller tout droit. Oui, oui, oui. Tout droit par là, en fait. C'est ça que je voulais te dire. Sauf que non, parce qu'on vient de là. Donc, en réalité, je me suis complètement planté sur toute la ligne. On va aller tout droit par là. Il n'y a rien. Et là, il y a un couloir. Bon, je suis dessus. Ah, bah voilà. J'ai utilisé une clé en plus pour trouver rien du tout. C'était ma seule clé. Je suis content. Je suis joie. J'ai ouvert cette porte pour rien. J'ai plus de clé. Merci. Merci, merci, la compagnie. Bon, 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 bon. Eh bien, on va trouver. Hein. On respire. Pour l'instant, Slendrina n'a pas été trop agressive. Je crois que, en fait, le mode difficile, c'est pas si difficile que ça. Hein, il faut se l'admettre. Pour l'instant, en tout cas, c'est pas si difficile que ça. Je ne fais pas le fanfaron, mais je le dis, c'est tout. Voilà. Pour l'instant, je suis un peu déçu du mode difficile. Je m'attendais à plus de choses. Je m'attendais à plus de Slendrina, à plus de voilà, je sais pas. Je sais pas ce que j'attendais. Je veux juste sortir de là. Ah bah voilà, bon bah écoutez, hein. Hop, merci, on va aller par là. Là, c'est fermé, j'ai pas de clé. Ah. Troisième livre. Bon, je reviendrai pour toi à la porte fermée. Je reviendrai. Je ne te laisserai pas verrouiller longtemps. Oh, ah non. Nous allons maintenant dans cette troisième zone, qui était la première que j'avais faite, je crois, dans la première partie. Ah, une porte. Wow. Vilaine. Je crois que je t'ai pas vu. Wow, wow. J'étais attrapé. Bon bah voilà, je pense que j'ai vu la limite du mode difficile. On va s'arrêter là aujourd'hui. Yes, on a réussi Slendrina, on a fait les trois celliers. J'ai pas réussi en mode difficile, mais on va retenter une prochaine fois peut-être. Dites-moi également si vous voulez que je fasse les autres chapitres, il y en a plein. Il y a le cellier 2, il y a l'hôpital, il y a la maison, il y a la forêt, il y a l'école. Bien sûr, tout ça dans les commentaires. N'oubliez pas de laisser un max de likes. Abonnez-vous et partagez cette vidéo au moins l'un de vos amis pour faire grandir la Max Family. Merci à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.